J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Je vais retourner au campement, voir ce que je peux faire. Faut que je me repose. Je suis gelée, épuisée. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer, après tout ce que j'ai fait pour... Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour, tu comprendras. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre! J'ai juste envie que tout ça s'arrête! Et que tu redeviennes mon papa! Sophia, t'arrêtes pas! Allez, on les tient! Cours!
Descendez-la! Un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Bien reçu, mais apparemment ils se sont reculés. Notre objectif principal est de retrouver... Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient qu'on allait se lancer à leur poursuite. Putain de merde. Ils se repliaient pas. Ils nous ont bien eus. Ils sont toujours là. Brinker a été tué au combat. Il va falloir que... quelqu'un le descende de là. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. La radio et essaie de joindre le complexe. Dans leur dernière transmission, ils ont dit qu'ils étaient attaqués. Mais depuis, rien. C'était seulement quelques minutes après avoir croisé les natifs près des ruines. Après ça, ils ont tout fait pour qu'on se déploie. C'était une embuscade.
Ils voulaient qu'on s'éloigne du complexe. L'équipe d'Urko avait tout faux. Ils sont pas des paysans. Ouais, c'est une tactique de guérilla. Ils sont directs à aller bousiller nos transmissions dès qu'ils ont su qu'on était là. Merde! Il va nous falloir des protocoles de contre-insurrection. Ça va bousculer tous nos plans, et ça va pas plaire à Constantin. Mais bon, il vaut mieux ça que se faire buter dans le noir. Toutes les équipes, ouvrez bien l'œil. Les natifs ont posé des pièges dans les bois. On nous attaque! On se disperse. Soyez vigilants. On l'a encerclé! Attention, la liaison n'a pas encore été rétablie. Attendez-vous à des interférences dans les transmissions. Des années durant, j'ai chevauché parmi une armée mongole en tant qu'émissaire de l'Ordre de la Trinité. Malgré ses manières barbares, leur Khan est un grand seigneur de guerre. Je les ai aidés à renverser des nations, brûler des cités et assassiner des princes, tout cela à seule fin de trouver le prophète. Le massacre des Russes n'a pas été vain. Parmi le butin, nous avons enfin trouvé une carte. Et voilà que ce matin même, après une saison entière passée en montagne, nous voyons des constructions émerger d'une vallée verdoyante, cernée par la glace. Nous avons trouvé Kitej. J'ai promis au Khan que toutes les richesses seraient pour lui, et cela suffit à le motiver. Mais la véritable victoire sera pour Dieu, quand nous aurons purgé la terre des mensonges du prophète. Enfin, la source divine nous appartiendra. Ouvrez bien l'œil.
c'est du mongol. Je n'arrive pas à comprendre. On se prépare. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en retrait pour observer. J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Ça devrait le ralentir un peu. Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays Khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire, mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues,
comme si cela lui était inné. Il a traversé les terres des Russ. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue, attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir. Je ne serai pas rentré pour l'hiver comme je l'espérais. Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar. Le prophète a prêché ici, et les villageois refusent désormais de m'héberger. J'ai dormi sur les berges du lac, où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète a tenté de m'assassiner dans mon sommeil. Je l'ai tué pour en faire un exemple. Et maintenant, les gens me jettent des regards noirs et me crachent dessus quand je passe. Je dois faire vite. Le fléau se répand. Merde, ça va être froid. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait.